Alors d'abord, il faut noter que en fait, Keyclock, la première des choses dont vous avez besoin, c'est de télécharger Keyclock. En fait, Keyclock, c'est téléchargé. En fait, la dernière version, donc c'est la version de 19.02. Vous voyez donc chaque quasiment, ça va très vite les versions. Parce que tout ce qui est, surtout les outils de sécurité, c'est un enjeu important. C'est-à-dire, si vous avez un outil qui n'est pas tout le temps mis à jour, etc., il faut vraiment faire attention. Parce que c'est un open source, c'est vrai, vous avez le code source, c'est bien. Mais en même temps, l'année dernière, je me rappelle, c'était la version 15, maintenant c'est la version 19. Donc, il y a toujours des améliorations, c'est-à-dire qui se font. Alors, en tout cas, donc, pour télécharger Keyclock, donc, vous allez remarquer une chose pour les habitués de Keyclock. En fait, les versions précédentes de Keyclock, en fait, ils sont basés sur un serveur d'application qui s'appelle Wildfly. En fait, Wildfly, c'est un serveur, en fait, c'est l'ancien JBoss. Parce qu'en fait, avant, il y avait un serveur d'application qui s'appelait JBoss. À partir de sa version 8, il a changé de nom au Wildfly. Et c'est un serveur d'application qui respecte les spécifications J2E, c'est assez connu. Il dit que donc, quand vous téléchargez donc, le Keyclock, vous démarrez Keyclock en utilisant un serveur Wildfly. Mais récemment, en fait, il y a une version qui a été créée. D'ailleurs, vous voyez ici, il est deprecated, déprécié. Alors, il y a la version qui est basée sur Quarkus. Alors, en fait, Quarkus, c'est quoi? Quarkus, c'est un framework qui permet de créer des applications réactives Java. C'est un framework, c'est tout un écosystème exactement comme Spring. En fait, Quarkus, si vous voulez voir vraiment dans le domaine du Java, c'est le concurrent direct de Spring. C'est vrai que Spring, c'est la maturité, c'est beaucoup d'années d'expérience, etc. Mais Quarkus, lui, il a été créé pour améliorer un certain nombre de choses, notamment par rapport à Spring. D'abord, Quarkus, il est basé sur une technologie qui s'appelle Vertex. Alors, Vertex, c'est la technologie qui permet de créer des applications réactives Java. Si vous voulez, Vertex, c'est en fait c'est le nom de JS de Java. Celui qui a créé en fait Vertex, eh bien, tout simplement, il utilise les entrées-sorties non bloquantes pour créer des applications en Java, exactement comme vous le faites avec Node.js. Donc, et du coup, donc, en fait, Red Hat avait pris donc, cette technologie Vertex et il a construit donc, dessus un framework qui s'appelle Quarkus, qui a les mêmes caractéristiques de Java. Bon, l'idée principale, c'est quoi? C'est d'abord, premièrement, c'est améliorer le boot, parce que si vous démarrez une application Spring Boot, il faut toujours faire attention à le nombre de secondes de démarrage, le boot, en combien de temps ça démarre. Et après, si vous revoyez avec Quarkus, donc il fait un peu plus vite, il fait plus vite que Spring Boot, c'est-à-dire en termes de boot, parce que pour des applications du cloud, c'est très important, le temps du boot, c'est important pour les applications serverless au niveau du cloud, parce que à chaque fois que vous appelez une fonction, c'est à ce moment-là qu'elle démarre, elle s'exécute, mais une fois qu'elle exécute, elle s'éteint. Donc, ce qui fait que si quand vous l'appelez une autre fois, il va être démarré. Donc, c'est-à-dire le temps du boot, il est important. Donc, c'est un peu c'est là où il y a en fait une course entre Quarkus et Spring Boot. Spring Boot, à chaque version, il améliore le temps du boot et vous allez toujours le remarquer. Et en plus, donc ça, c'est en termes de capacité mémoire, etc. Mais bon, en tout cas, donc ce qui fait que si vous voyez ici deprecated, ce n'est pas par rapport au spec. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la sécurité. C'est-à-dire que vous utilisez donc Keyclock Wildfly ou Keyclock basé sur Quarkus, et bien, tout simplement vous avez les mêmes c'est-à-dire qualités. La seule différence c'est que ici vous avez la version basée sur Quarkus, elle est relativement plus rapide en termes de démarrage que celle qui est basée sur Wildfly. Parce que Wildfly, il n'est pas basé sur Spring, c'est un serveur d'application. Donc Quarkus c'est beaucoup plus rapide que Wildfly et en même temps ça occupe moins d'espace mémoire. Donc, si quand vous mettez Keyclock dans des conteneurs Docker, donc forcément, utilisez la version cette version-là qui est conseillée, c'est mieux. Alors, en tout cas, donc une fois que vous téléchargez, c'est-à-dire cette version-là, donc moi je l'ai déjà téléchargée, donc vous pouvez télécharger la version Quarkus.
Ça, c'est la version 0.2, 19.2. Crois que j'ai déjà démarré quelque chose ici, je vais l'arrêter. Alors, en fait, c'est un fichier .zip que j'ai mis dans le dossier donc Tools. Alors, c'est pclock. Alors, pclock, ça, c'est la 13, c'est le 19.0.1, ça, c'est le 19.2. Alors, je vais essayer donc, de le prendre. Comme ça, je vais lancer une nouvelle instance. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce qui se passe dès le départ. Je crée un dossier qui s'appelle classé, dans lequel je mets pclock.zip et je fais extra ici. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, donc on va le démarrer. Alors, cd kc, cd kclock, voilà, cd bin. Alors, pour cette version-là, donc vous avez un fichier de démarrage. Donc, vous pouvez utiliser Docker, ça marche très bien. C'est-à-dire une image Docker, donc vous pouvez la démarrer. Donc, c'est pareil si vous regardez la documentation. Alors, c'est donc, je fais juste plus simple, comme ça vous pouvez voir. Et après, donc, on va le démarrer en mode dev. Donc, on va utiliser start dev. Start dev, en mode dev. Alors, si vous faites ça, donc, vous démarrez donc Kclock, la version de Kclock basée sur une application qui est basée sur un framework qui est Quarkus. Donc, systématiquement, vous voyez donc ici, vous voyez Quarkus qui démarre. Il vous affiche. En 7 millisecondes, enfin 7000, etc. millisecondes. Donc, c'est une façon de voir. Alors, quand vous démarrez Kclock, alors en fait, Kclock, il faut juste noter que c'est un serveur qui est basé sur la spec GPA. Donc, ça veut dire que vous pouvez l'interfacer avec n'importe quelle base de données. Alors, par défaut, il utilise une base de données de type H2, notamment. Mais vous pouvez l'interfacer avec la base de données. Donc souvent, parce que là, il y en a beaucoup qui demandent ça souvent, c'est très simple. Donc ici, donc ça c'est la version. Alors ça c'est pour démarrer Kclock. Après, si vous voulez démarrer avec une autre base de données, par exemple, si vous voulez travailler, utiliser une base de données, par exemple Postgres, par exemple, bah, c'est très simple. Donc vous avez deux commandes à exécuter. Donc, vous pouvez utiliser d'ailleurs MariaDB, Microsoft SQL, MySQL, Oracle, Postgres. Donc, si vous voulez l'interfacer, si vous voyez que, par exemple, votre application utilise un SGBD et vous voulez conserver le même SGBD aussi pour tout ce qui concerne Kclock, ben, tout simplement, vous utilisez la commande kc, build, et après l'option DB Postgres, d'abord, pour configurer Kclock avec Postgres. Et quand vous le démarrez, vous pouvez spécifier ça. Donc, start dev, vous spécifiez donc comment s'appelle la base de données, c'est Postgres. C'est quoi l'URL, c'est GDBC Postgres localhost. Donc, ça suppose que vous avez Postgres dans c'est-à-dire cette adresse-là et que la base de données Kclock est créée au niveau de Postgres, username et password. Donc, si vous faites ça, si vous consultez donc au démarrage, vous allez voir dans Postgres, vous allez voir. Vous pouvez voir toutes les tables dans lesquelles Kclock stocke ses données. C'est important de voir ça. Quasiment, il y a 92 tables qu'il utilise dans sa base de données pour gérer tout ça. En tout cas, alors nous, on n'a pas fait ça. Donc, je peux bien le faire, il n'y a pas de souci. Donc, ça suppose que si vous le démarrez comme ça, c'est qu'il utilise la base de données H2. H2, c'est une base de données, en fait, file. C'est-à-dire une file, c'est-à-dire que les données, elles vont être enregistrées dans un fichier, mais en production, généralement, c'est pas, il faudrait utiliser un autre SGBD. Vous remarquez également ici, vous voyez, donc, il y a ces Vertex dont j'ai parlé, il est basé sur Vertex. Donc, vous voyez, donc, il y a tout, en fait, un tas de drivers qu'il supporte, etc., pour communiquer avec les autres applications. Alors, une fois qu'il est démarré, une fois qu'il est démarré, donc, on peut y accéder. Donc, par défaut, il utilise le port 8080. Alors, 8080. Alors, quand vous démarrez la première fois, donc, vous avez la console d'administration. Pour l'administrer, il vous faut d'abord créer un utilisateur admin.
Alors, cet utilisateur admin, donc je vais le créer. Donc, je vais créer un utilisateur qui s'appelle admin. Le mot de passe, bon, je vais mettre bon, 1, 2, 3, bon, 1, 2, 3, 4. Toujours simple. Un super mot de passe qui est intouchable, facile à détecter. Donc, admin 1, 2, 3, 4, comme administrateur. C'est pas bon. Je crée cet utilisateur. Une fois qu'il est créé, maintenant, quand vous accédez à l'application, vous pouvez accéder à la console d'administration. Alors, dans cette console d'administration, il va vous demander d'abord de s'authentifier. Donc, admin 1, 2, 3, 4, que je viens de, l'utilisateur que je viens de créer. Et là, vous avez donc l'environnement de Qlik. Bon, la première des choses qu'il faut faire, c'est de créer ce qu'on appelle un Realm. Realm. En fait, un Realm, c'est quoi? Un Realm, si vous voulez, c'est le territoire à sécuriser. Si vous voulez, c'est le royaume à sécuriser. Un Realm contient plusieurs applications. Parce que pour sécuriser, quand on crée un Realm concerne un ensemble d'applications clientes à sécuriser. Alors, par défaut, vous avez un Realm qui s'appelle Master. Alors, ici, donc, je vais créer un Realm, Create Realm. Alors, on va lui donner un nom, tout simplement. Alors, ici, donc, je vais créer un Realm qui s'appelle Wallet Realm. Je l'appelle comme ça. Bon, je l'active. OK, Create. Alors, une fois que je crée le Realm, maintenant, vous voyez, il est sélectionné ici, celui que j'ai ici. Et après, maintenant, dans un Realm, on va créer les applications à sécuriser. Alors, ici, donc, pour créer les applications à sécuriser, il faut créer ce qu'on appelle des clients, les applications clientes. Supposons, moi, ce que je veux faire, je veux sécuriser une application qui s'appelle Wallet Client. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer un client, New Client. Alors, Client ID, c'est, on va l'appeler Wallet Client. Je l'appelle comme ça. Alors, ici, donc, il y a beaucoup de champs qui ne sont pas obligatoires. Ici, pour le moment, on peut le laisser comme ça par défaut. Après, Next. Alors, ça, c'est dans l'interface de cette version, elle est relativement différente de la version précédente. Alors, ici, on va voir par la suite Client Authorization, Authentication. Est-ce que vous voulez identifier? Parce qu'en fait, quand on va identifier les clients, les applications clientes, on peut également utiliser, en plus d'un username et d'un mot de passe, on peut les identifier l'application par ce qu'on appelle un client ID et client secret. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer tout à l'heure. Pour le moment, par défaut, je ne l'active pas. Voilà, donc je laisse les choses par défaut. Vous voyez donc, j'ai parlé tout à l'heure de les flows, standard flow. Vous voyez donc, implicit flow, donc ça, c'est ce dont j'ai parlé. Direct access flow, etc. Donc, je garde les options par défaut. Save. Il reste la dernière étape ici. Donc, il y a d'autres informations à spécifier qui sont importantes. Alors ici, ici, l'URL de l'application à sécuriser. Supposons votre front-end, l'application Angular, je sais que il va tourner sur le port 4200. Donc, je vais utiliser ici HTTP localhost 4200. Bon, après, on peut modifier à n'importe quel moment donné. Les valides URL redirect URI. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai parlé tout à l'heure, quand un utilisateur envoie une requête pour s'authentifier, il envoie le callback. Le callback, c'est l'URL de redirection. C'est-à-dire, une fois que je suis authentifié, je lui demande, redirige-moi vers cette adresse. Alors là, il faut spécifier quels sont les URI qui sont autorisés, valides. Alors, je vais laisser ça, localhost 4200 slash étoile. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que toutes les URL, si je te demande de me rediriger vers les URL comme ça, slash étoile, n'importe ce qui vient après, c'est autorisé. Alors, si vous mettez étoile, ça va marcher pour n'importe quelle URL, mais il faut faire attention parce que pour des raisons de sécurité, il ne faut pas autoriser ça. Parce que sinon, on peut facilement intercepter le code d'autorisation et celui qui va intercepter le code d'autorisation, il envoie la requête, il demande une redirection vers une URI qui le concerne. Comme ça, il va recevoir directement c'est-à-dire la redirection vers son application. Et il dit que moi, si vous mettez ces étoiles, donc ce n'est pas bon. Donc, de préférence, de mettre toujours en fait la liste, parce que ça, c'est une, mais si vous voulez ajouter d'autres, quelles sont les URI de redirection qui sont autorisées?
Alors, ici, donc, autre chose, quand vous allez faire un logout, c'est-à-dire parce qu'on dans l'application Angular, à un moment donné, on va cliquer sur le bouton logout, et quand on va faire un logout, on va lui demander encore de revenir, de se rediriger vers l'application. Et l'application, donc, je vais utiliser la même chose. Ici, donc, je vais utiliser la même, HTTP. HTTP de point, double slash, localhost. 4200. Je suppose que maintenant mon application Angular va fonctionner sur 4200. Donc, c'est-à-dire, voilà, la seule qui est autorisée, ici, avec un slash. Web Origin. Alors, ici, donc, j'autorise, parce qu'il s'agit bien, parfois, donc, s'il s'agit d'une single page application, rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de l'affaire de course. C'est-à-dire, si je mets étoile, ça veut dire j'autorise n'importe quelle page qui provient de n'importe quel domaine d'envoyer des requêtes vers. Clock. Alors après, par la suite, il vaudrait mieux mettre la liste en dur. Il faut les coder en dur parce que tout ça, ces étoiles que vous voyez là, c'est des failles de sécurité. Donc, il faut avoir des URL qui sont vraiment autorisées, plutôt les domaines qui sont autorisés. Voilà, alors ça, c'est quelques informations. Admin URL, donc ici, on n'a pas besoin. Bref, donc tout ça, je laisse, et après, save. Alors, qu'est-ce que je viens de créer? Donc, je viens de créer un client. C'est-à-dire, c'est une application à sécuriser. Alors, ici, donc, clients. Donc, vous pouvez toujours voir la liste des clients. Ici, donc, nous avons notre client, ce wallet client. Alors, maintenant, j'ai un client à sécuriser. Alors, j'ai également, ici, j'ai les utilisateurs. Alors, maintenant, quels sont les utilisateurs qui ont le droit d'accéder? Alors, maintenant, si vous voulez que Keycloak se charge des utilisateurs, ben, on va créer quelques utilisateurs pour tester. Alors, je vais créer un utilisateur que je vais appeler user1, par exemple. Son adresse mail, user1, gmail.com. Voilà, le nom de l'utilisateur, user1, last name, etc. Il est activé. Voilà, create. Alors, je crée un utilisateur. Alors, l'utilisateur, il écrit, je vais lui attribuer un mot de passe. Donc, dans l'onglet Credentials. Alors, ici, on va créer un set password. On va le dire pour le moment, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 de cet utilisateur. Alors, si vous le laissez par défaut comme ça, c'est un mot de passe temporaire. Ça veut dire que l'utilisateur, une fois qu'il va s'identifier, dès qu'on va saisir 1, 2, 3, 4, il va systématiquement demander à l'utilisateur de changer son mot de passe. Donc, c'est temporaire. Alors, pour le moment, je vais le mettre machine temporaire, c'est-à-dire je le mets définitif, parce que j'ai besoin de faire quelques tests sur directement Postman. Donc, on va le mettre un mot de passe qui n'est pas temporaire, parce que je vais utiliser des requêtes back-end channel. Alors, set password, OK, c'est bon. Alors, je vais créer un deuxième utilisateur pour en avoir deux. Alors, l'utilisateur, je vais l'appeler Mohamed. L'adresse mail, voilà, l'adresse mail, Mohamed, Yousfi, tatata, etc. Je crée l'utilisateur. Alors, les mots de passe, donc la même chose, je vais lui attribuer un mot de passe, 1, 2, 3, 4. Mot de passe, 1, 2, 3, 4. Créer le mot de passe. Ah, bon, il n'est pas temporaire, bon, je peux le changer. Si vous voyez, donc, je sais le password. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après, il est permanent. Voilà. Alors, j'ai des utilisateurs. On peut créer des rôles. Donc là, parce que notre application va être basée sur des rôles. Alors, pour cela, donc, vous avez Realm Roles. Alors, ici, donc, je vais créer des rôles. Par exemple, j'ai le rôle user. Save. Et je vais créer un autre rôle. Admin. Supposons que mon application, j'ai deux rôles, user et admin. Et après, pour attribuer les rôles aux utilisateurs, par exemple, j'ai l'utilisateur user 1, vous avez ici role mapping. Alors, je vais lui assigner des rôles. Pareil, cet utilisateur, je vais dire qu'il a le rôle user. OK, signé. C'est bon. Et après, l'utilisateur Mohamed. Donc, je vais lui assigner les rôles suivants. Alors, quels sont les rôles? Donc, je vais lui donner le rôle user et admin.
signer. Bon, bref, dans un premier temps, on n'a besoin que de ça. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va essayer de vérifier d'abord une authentification qui est basée on va prendre Postman. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel outil pour tester. Et comme ça, on peut voir déjà cette affaire-là, le ID token, access token, refresh token. Donc, ça, c'est le premier test que vous allez faire avant de passer à l'application. Alors, ici, donc, directement ici, pour s'authentifier. Je veux m'authentifier. Supposons qu'il s'agit d'une application mobile. Donc, vous voulez faire l'authentification. Vous savez, dans une application mobile, vous ne pouvez pas faire le front channel. Vous ne pouvez pas faire des redirections vers Keycloak. Dans l'application mobile, c'est à vous de créer votre propre formulaire. Et c'est à partir de votre formulaire que vous allez envoyer une requête vers Keycloak pour lui donner username et mot de passe. Et après, il vous rend le ID token. Alors, la requête que vous allez envoyer, il est de type post. Alors maintenant, c'est quoi l'URL d'authentification? Alors, pour savoir l'URL d'authentification, ben, vous regardez dans votre Realm setting. Vous allez voir qu'il vous donne, il y a quelque chose qui est très important en fait, le OpenID Connect. Vous avez ce qu'on appelle OpenID Connect Endpoint Configuration. Alors, si vous accédez à ça, il vous donne ici un ensemble d'adresses. Ça, c'est très utile. C'est ce qu'on appelle dans le OpenID Connect, c'est ce qu'on appelle le point well-known. Donc, c'est-à-dire chaque serveur généralement qui respecte la norme OpenID Connect. Ben, il doit implémenter, c'est-à-dire il vous faut un fichier web. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un ensemble de choses. Parmi les choses qu'on peut trouver là, on va trouver par exemple, le token endpoint. Vous voyez ici. C'est-à-dire si vous voulez récupérer le token, il va falloir envoyer une requête. Oh, je ne sais pas pourquoi il a fait cette histoire-là. Alors, c'est-à-dire voilà. Donc ici, donc je prends cette adresse slash OpenID Connect slash token, cette adresse-là. Ben, c'est cette adresse que je vais mettre ici. Alors, quand vous voyez cette adresse-là, qu'est-ce qu'il y a? Localhost 8080, Realms, slash. Ben, dans l'ancienne version de Keycloak, il y a toujours hot. Dans cette version-là, donc le hot, il est supprimé. Alors, Wallet Realm, donc il faut spécifier, je veux m'authentifier pour quel Realm. Donc, ici, donc, j'utilise Wallet Realm. HM Protocol. Alors, je peux utiliser OpenID Connect, ou là, SAML. Donc, vous voyez, donc ici, on utilise OpenID Connect et après, je demande token. Alors, pour cela, donc pour demander un token, ben, il faudrait envoyer une requête HTTP dans laquelle, de type, d'abord, content type, le header content type, ça doit être donc, c'est application 3W, application 3W form URL encoded. Alors, application. S'il te plaît. Alors, là, je fais ça. Voilà. Donc, c'est en fait le format, c'est X3W Form URL Encoded, Content Type. Je dois vous envoyer un formulaire classique. Alors, et après, dans Body, ben, dans Body, vous envoyez donc des informations pour s'authentifier. Donc, qu'est-ce qu'il faut envoyer? Ben, on peut envoyer sous forme de soit ici Raw ou Form Data ou ici. Voilà les champs ici, donc on peut spécifier directement en format texte ou tout simplement je peux spécifier comme ça. Ici, quels sont les champs que je vais envoyer? Alors, il faut forcément envoyer username pour s'authentifier. Username. Alors, c'est pas voilà, username c'est user 1 par exemple. Password. Ça doit s'écrire comme ça. C'est 1, 2, 3, 4. Et après, il faut envoyer, parce que pour s'authentifier, il existe plusieurs façons. Il y a ce qu'on appelle grant type. Grant type. Alors, du moment qu'on va s'authentifier via un mot de passe, ben, tout simplement, on va utiliser grant type. Et grant type, c'est tout simplement password. Il faut écrire password. C'est-à-dire, c'est comme si je dis à Keycloak, moi, je veux m'authentifier avec un mot de passe. Donc, ça suppose que vous avez envoyé un mot de passe. Et après, le quatrième champ, c'est client ID. Client underscore ID. Alors, c'est-à-dire, je veux m'authentifier pour quel client, pour quelle application client. J'ai déjà créé un client qui s'appelle Wallet
client. Parce qu'en fait, vous voyez bien l'URL ici, il précise le Realm. Alors ici, je m'authentifie pour cette application. Alors si vous envoyez cette requête-là, send, alors qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que content type n'est pas supporté. Ici, content consume, content type cannot consume content type. Alors ici, donc, j'ai un petit problème au niveau de... Voilà, il va falloir cocher ça. Parce que là, tout à l'heure, j'ai peut-être mal fait. Voilà, j'ai utilisé form data, c'est pas ça. Donc, je dois utiliser ce format-là. Bon, et du coup, donc, je vais reprendre. Alors, donc, les quatre champs. Je répète. Donc, X3W form URL encoded. Je spécifie donc grant type. Alors, grant type. Alors, je veux m'authentifier en utilisant un password. Donc, password. Ensuite, client ID. C'est wallet. Wallet-client. Ça, c'est le nom du client que j'ai créé dans Keycloak. Et après, vous allez spécifier username. Donc, ça, c'est user 1. Et password. Alors, password, c'est 1, 2, 3, 4. 4, voilà. Alors j'envoie la requête et vous voyez donc ici qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a envoyé le ID token. Alors le ID token, comme vous le voyez là, ben, c'est un objet JSON qui contient le access token, comme vous voyez ici, il est là, et vous avez le refresh token. Alors maintenant on va essayer de voir ce qu'il contient. Alors en fait, et en même temps, il vous envoie des attributs comme le access token, il expire par défaut, vous voyez, c'est 30, c'est 5 minutes. C'est 300 secondes, c'est 5 minutes, il expire en secondes. Et vous avez un refresh token qui va expirer en 1800, c'est-à-dire 30 minutes. Donc, ces paramètres-là, on va les retrouver dans l'interface de Keycloak. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans un... Ça, c'est un JWT. Alors, je prends ce access token-là. Alors, si vous voulez voir ce qu'il y a dans un token, un JWT, bon, vous pouvez chercher dans le site JWT. Par cette barre-là de... Oh là là. Cette barre de zoom qui me dérange, que vous ne voyez pas vous, mais je me dérange là-dessus. Pour ma lineage. Alors, je vais lancer un autre browser. Alors, jwt.io. Alors, sur ce site-là, donc vous avez, en fait, ici, vous copiez votre JWT. Elle est là. Et après, vous pouvez voir ce qu'il contient. Vous voyez donc notre JWT qui est généré par Keycloak, voilà, son header. Alors, vous voyez donc ici, il utilise quel algorithme pour calculer la signature? C'est RSA 256, JWT. Et après, vous avez le payload. Alors, on va retrouver donc les claims dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a il va expirer. Vous voyez donc ici, si vous pointez là, il va vous dire, il va expirer à 22h, septembre, 22h, etc., etc. Voilà, 22 ici, donc, issued at, la date de création, GTI, l'issuer, l'audience, subject. Alors, en fait, subject, c'est quoi ça? C'est user ID. C'est notre user que nous avons créé, donc, c'est son user ID. D'ailleurs, si vous regardez dans la base de données, vous pouvez toujours trouver ces informations. Alors, le type, c'est bearer, c'est-à-dire porteur. Et vous avez d'autres claims, mais ce qui nous intéresse, c'est donc, vous avez ces claims-là. Et vous avez les rôles. Alors, je vois ici, par exemple, ici, Realm Access, les rôles. Et là, je trouve User. C'est-à-dire, cet utilisateur, il a un rôle User. Et en plus de cela, il y a d'autres choses qui sont envoyées par défaut, comme par exemple, ici, email. Est-ce que l'adresse email est vérifiée? Non. Parce que là, l'adresse mail de l'utilisateur, on n'a pas vérifié. Parce que Keycloak, il permet de vérifier les emails. Le nom de l'utilisateur, preferred username, c'est ça. Given name, family name, email. Donc, toutes ces informations-là, ils sont dans le access token. Donc le JWT, le access token, c'est ça. Mais après, vous avez la signature. Vous voyez donc la signature, elle est là. Elle est calculée comment? Elle est calculée en utilisant donc les deux clés. Il y a la clé privée et la clé publique. Vous voyez donc la fonction, c'est RSA 256. Il prend le header, le payload. Il lui donne la clé privée. La clé privée, vous ne pouvez pas l'avoir ici, c'est normal. Parce qu'en fait, elle est chez Keycloak. Et la clé publique. Alors, pour la clé publique, donc, si vous voulez l'avoir, bon, on peut la retrouver ici, donc, sur l'interface de Keycloak. Alors, il suffit d'aller vers
En fait, je crois que j'ai agrandi ça. Oui. Alors, s'il suffit d'aller vers Realm Setting, vous avez une partie qui s'appelle Keys. Tokens, keys. Alors déjà, au niveau de token, vous voyez donc les paramètres. Donc access token, il va expirer en 5 minutes. Vous avez ici donc le refresh token, c'est 15 minutes. C'est pas ça, j'ai dit tout à l'heure 30, c'est pas 30. Donc tout ça, vous pouvez le régler là. Et après, vous avez donc les clés. Et dans les clés, donc, vous pouvez voir ici le public key, par exemple. Vous voyez donc, si vous voulez voir public key, il est là. C'est-à-dire, c'est la clé publique qu'il utilise pour calculer la signature. Cette clé-là, elle est publique, ça veut dire que n'importe qui peut la recevoir. D'ailleurs, si vous regardez le fichier de tout à l'heure, willNown, vous allez trouver public key. Mais private key, il est privé, donc il est quelque part. Si vous voulez y accéder, vous pouvez y accéder, mais ça, c'est pas le plus important. Mais ça, c'est Keyclock. Qui a le public key. Alors, donc, ça, c'est le token. Vous voyez, donc, ici, nous avons donc le access token. Il est là. Et après, il y a le refresh token. Après, on va voir. Donc, ce access token, on peut l'envoyer dans sa requête pour accéder au service. Mais une fois que le token, le access token, expire, ben, on va demander un autre access token. Alors, si vous voulez demander un autre access token, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le refresh token que vous voyez là. Et on va envoyer une autre requête. Je vais dupliquer cette requête-là. Dupliquer cette requête ici. Et la même chose dans body. Donc, je vais utiliser. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Ben, je vais mettre les informations suivantes. Alors, ça, c'est les données. Alors, grant type, cette fois-ci, ce n'est pas password. Je veux m'authentifier. Grant type, c'est refresh token. Plutôt, c'est ça. Refresh, je crois, underscore token. Alors, j'ai besoin de client ID. Alors, je n'ai plus besoin de username ni de password. Je n'ai pas besoin de les envoyer. Alors, si vous regardez bien sûr la partie row ici, vous voyez donc les données, elles sont envoyées de. Voilà, elles sont envoyées. Donc, si vous voulez, grant type égale valeur, and client ID égale valeur. Mais après, il faut envoyer un autre paramètre qui s'appelle refresh token. Refresh underscore token. Et vous faites ici coller. Alors, c'est-à-dire quoi ça? Ça veut dire que maintenant, je veux m'identifier, je veux m'authentifier, mais je présente que mon refresh token. Alors, si j'envoie la requête, vous allez voir qu'il va vous envoyer un nouveau access token et un refresh token. Donc, vous venez de voir ici donc deux façons pour s'authentifier. Le premier via password, grant type password, parce qu'il faut fournir le mot de passe. Le deuxième via un refresh token. Donc, j'envoie refresh token. Une fois que tant que le refresh token n'a pas expiré, je peux toujours récupérer un token pour m'identifier. Donc, ça, c'est la première solution. Alors, la deuxième solution pour la troisième, la, plutôt, ça, c'est la deuxième solution pour s'identifier. Alors, la troisième solution pour s'identifier, c'est d'utiliser Client ID and Client Secret. Alors, autrement dit, comment faire pour ça? Alors, ça, je vais vous dire un peu quand est-ce qu'on utilise ce genre de choses. Alors, si je reviens à mon client, ici, Clients, alors Wallet Client, vous allez remarquer qu'à un moment donné, il y a quelque part que je n'ai pas coché tout à l'heure, Client Authentication. Je vais l'activer. Ça veut dire quoi, Client Authentication? Ça veut dire que l'application qui m'envoie la requête, je dois authentifier l'application et non pas l'utilisateur. Ça veut dire que l'application devrait m'envoyer quoi? Un Client ID à un client secret. Donc, en plus des mots de passe, il faut envoyer client ID, client secret. Alors, ça, c'est pour les applications back-end. Ça marche parce que le client secret, on peut le stocker quelque part protégé. Mais pour les applications front-end, ça ne sert à rien d'utiliser client ID, client secret parce que ils peuvent être interceptés facilement. Donc, on peut les.
les avoir facilement. Donc ici, donc j'autorise l'authentification des clients. Et après, ici, donc je vais cocher Service Account Role. Donc là, c'est pour permettre cette opération-là, save. Alors, si j'ajoute cette opération-là, vous allez accéder et vous allez voir, il y a en fait, il y a un onglet qui s'ajoute. Parce qu'en fait, une fois que vous cochez cette partie-là, Client Authorization, vous allez voir, il y a un Credentials qui va s'ajouter. Et là, vous allez trouver ici Client Secret. Alors, Client Secret, ici, vous pouvez voir ce que c'est. Bon, c'est une valeur comme ça. Copier. Alors, si vous avez ce Client Secret, je peux également m'identifier en utilisant le client secret. Comment? Alors, si je me rappelle bien, donc on va dupliquer encore ce tab. Donc on va vers la même requête, ici dans Body. Alors cette fois-ci, Grant Type, ce n'est pas Refresh Token, c'est Client Secret. Client underscore secret. Client Secret, et après Client ID, c'est celui-là, ben c'est tout. Alors, techniquement parlant, si vous envoyez Client ID, Client Secret, alors ici, il me dit Unsupported Grant Type, donc j'ai mal écrit ça. Ce n'est pas Client Secret dans Grant Type, je pense que c'est confidentiel. Confidential, ici. Ou bien Client Confidential, j'ai oublié, ouais, c'est ça. Client underscore non confidential client confidential client confidential secret alors sinon je vais chercher dans les documents confidential secret underscore secret. Alors, j'espère que j'ai copié ça. Normalement, j'ai mis tout ça dans les slides. Alors, je vais chercher. Cette partie-là, donc là, je vous ai montré ce que c'est. Tout ça, j'ai fait. Tout ça, je vous les mets dans les slides. Toutes ces étapes-là, sont là. Et après, l'identification. Alors, ça, c'est l'authentification via Refresh Token. Donc, via donc, password, c'est ça. Via Refresh Token, c'est ça. Via Credentials, voilà. Alors, ce qu'il faut envoyer, c'est ça. Ce qu'il faut envoyer une requête avec POST. Grant Type, c'est Client Credentials. Et après, Client ID. And Client Secret. Donc, il faut envoyer donc trois paramètres pour s'identifier. Donc, c'est Client Credentials. Donc, ici, donc, c'est Client Credentials. Client ID et après Client Secret. Client Secret. Alors, Secret, maintenant, il faut faire CTRL V. Alors, Client Secret, c'est ça ce que, en fait, normalement, ça, c'est pour les applications back-end. Ça, c'est pratique. On peut, par exemple, vous travaillez des applications IoT, des applications, je sais pas, des applications, par exemple, embarquées ou des applications des microservices. Vous voulez qu'à un moment donné, votre application s'identifie. Donc, il envoie la requête. Il n'a pas besoin d'envoyer un username et un mot de passe. Ben, il a besoin juste d'envoyer, donc, c'est quoi Client Secret, Client ID. Client ID, Client Secret. Vous envoyez la requête. Alors, toujours Grant Type, c'est mal écrit. Grant Type Client Cree. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois que c'est le signe de fatigue. Alors, Client Cree. Voilà, Grant Type, c'est Client Credentials. Grant Type, c'est Client Credentials. Il y a un S qui manque. Voilà, tout simplement. Alors, vous voyez donc qu'est-ce que j'ai ici. Donc, je viens de m'identifier. J'ai un access token et je n'ai pas un refresh token. De toute façon, ça ne sert à rien. En tout cas, quand vous allez vous identifier avec Client ID, Client Secret, ben, il envoie leur access token. Si vous voulez le refresh token, vous allez dans les paramètres, vous dites je veux le refresh token. Mais généralement, pour identifier les applications clients,
Et bon, vous n'avez pas besoin, avec GrantType Client Credentials, vous récupérez donc le Access Token. Et avec ce Access Token, souvent, vous lui donnez une longue durée. Et après, votre application, il l'utilise jusqu'à ce que vous voulez. Mais après, bon, si vous voulez générer le Client Secret, vous pouvez le faire. Mais ici, regardez, supposons, maintenant, je lui dis, ben, je lui dis password. Je veux m'authentifier avec password. Username, password, GrantType. Client secret, je ne l'ai pas envoyé. Alors, si vous faites ça, ben, il va vous dire, je ne peux pas vous identifier parce qu'il me faut envoyer client secret. Donc, ça veut dire que maintenant, pour s'authentifier, ben, il vous faut, avec le mot de passe, il faut envoyer donc username, mot de passe, il faut envoyer client secret. Alors, si vous envoyez ça, on peut s'identifier. Voyez, donc, vous avez le access token. Bref, alors, dans un premier temps, dans notre application, on ne va pas utiliser client ID, client secret. Donc, ça veut dire que mon client, ici, alors, mon client que j'ai ici, wallet client, donc je vais désactiver client authentication. Bon, automatiquement, il désactive cette partie-là. Donc, pas de problème. J'enregistre. Donc, ça veut dire que maintenant, pour m'authentifier, alors je n'ai plus besoin d'envoyer un client secret. Voilà, authentification qui devrait marcher, pas de problème. Alors, bref, donc, je pense que vous avez une idée. Alors, maintenant, pour voir l'intérêt de tout ça, donc, on va regarder côté application à sécuriser. Comme ça, on a introduit un peu les choses. Vous me confirmez, s'il vous plaît, si toujours c'est OK, vous me recevez comme il faut. Merci, c'est OK. Très bien.